Impacté par les sanctions de la CEDEAO contre le Niger, le président béninois Patrice Talon milite pour une sortie de crise. Devant le Parlement jeudi, il a appelé au rétablissement rapide des relations entre son pays et le Niger. Nous voulons un monde débarrassé des guerres et du terrorisme. Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. En plus des sanctions de la CEDEAO, l'oléoduc reliant le sud-est du Niger à la côte béninoise avait déjà poussé le chef de l'État béninois à assouplir sa position vis-à-vis de Niamey. Il n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ses pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. La CEDEAO a de son côté ouvert le 10 décembre dernier la voie à un allègement de ses sanctions, conditionnées par une transition courte pour un retour des civils au pouvoir.